Si vous voulez passer à la télé, les gars. Avec Nassim. Il a beau se faire chambrer par ses coéquipiers, Nassim Akrour a bien un statut à part au sein de l'effectif grenoblois. À 40 ans et 6 mois, il est le joueur le plus âgé de ses 16e de finale. Un modèle de longévité. C'est un mec qui a jamais mis un pied au McDo, qui connaît pas le goût du Coca. Après, faut pas se focaliser là-dessus. Hein. C'est pas seulement ça. C'est le talent, c'est le travail surtout aussi. Le talent, le travail, deux éléments déterminants dans cette carrière exceptionnelle. 88 matchs en Ligue 1 avec 3 et Grenoble. Plus de 300 rencontres en Ligue 2. Venant d'un homme qui a un parcours comme lui, c'est clair que on prend plus en considération ses conseils que si c'était quelqu'un d'autre. Un mentor qui a presque deux fois l'âge de certains de ses coéquipiers. Mais avant de raccrocher les crampons, Nassim Akrour a un dernier défi à relever. Essayer de retrouver l'élite, retrouver le club que j'ai connu, en essayant de toujours avoir le sourire, malgré que c'est difficile d'être en CFA. L'élite, Nassim Akrour y a regoûté il y a un peu plus de deux semaines en Coupe de France contre Marseille. Le GF 38 avait alors créé l'exploit en éliminant l'OM au tir au but.